Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va faire une bouteille en bois qui a une fonction particulière. Donc c'est une bouteille qui sert pour un jeu pour l'apéro. On peut donc lancer des capsules qui vont s'aimanter sur le bouchon. Donc j'ai fait un petit peu de gravage dessus pour indiquer que c'est le lancer de capsule et que celui qui loupe sa cible paye sa tournée. Donc j'ai copié tout simplement une bouteille de bière. C'est ce qu'on va faire sur le tour aujourd'hui, de recopier cette bouteille, de placer à l'intérieur, avant de mettre la capsule, un aimant. Là j'ai des petits aimants de 8 mm. Bon, ça dépend les tailles des aimants qu'on peut trouver. Alors pour faire ça, j'ai préparé un morceau de chaîne qui fait 20 cm de longueur et 7 cm de diamètre. Donc ça c'est adapté suivant la taille de la bouteille que vous voulez recopier. Donc on va mettre ça maintenant sur le tour. Alors je vais placer ma pièce sur le tour. Alors je vais déjà mettre au diamètre à 6 cm, 6 cm de diamètre. Je vais faire ça avec un bedaine de 10.
15 mm de profondeur. Et voilà. Donc je vais gravir le lancer de capsule, le perdant paye sa tournée. Donc bon, ça me semble assez proche de la vraie, hein.
les dimensions ont été bien respectées. Donc j'ai fait avec une classique aussi, j'ai mis un aimant dessous. J'ai trouvé un aimant que j'avais dans le diamètre, que j'ai mis dans le goulot, bah, ça marche aussi. Donc j'ai celui-là qui reste dessus, qui est serti dessus. Et bah, ça, on peut s'amuser à jeter donc les... Voilà. Donc ça marche sur tous, quoi. À condition de bien viser. Et du coup, bah, ça peut être un jeu à l'apéro. Pour en mettant un nombre de capsules à chaque joueur, et du coup bah, celui qui fait tomber sa capsule bah, paye sa tournée. Voilà, c'est indiqué en bas de la bouteille, j'ai indiqué ça. Donc c'est un jeu qui est simple à faire et qui plaît beaucoup. Je l'ai testé en famille à l'apéro, ça marche bien, hein. Les gens apprécient. Et ça peut servir aussi quand on a ouvert plusieurs bouteilles, bah, tout simplement pour ramasser les capsules. Voilà, ça sert dans les deux cas, pour jouer et pour ramasser les capsules. Donc voilà, la bouteille. C'est un exercice agréable à faire et bah, qui peut permettre de jouer et puis qui est présentable. Donc pour faire plaisir, pour faire des cadeaux. Donc j'attends vos impressions sur ce jeu et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.